Je vais vous parler des liens entre le changement climatique et la qualité de l'air. Ce sont deux enjeux environnementaux majeurs qu'on considère parfois comme distincts, parce que le changement climatique s'intéresse principalement aux gaz à effet de serre, qualité de l'air, on va regarder plutôt des polluants. Donc on ne regarde pas forcément les mêmes substances. Comme je vais vous montrer, il y a quand même des synergies. Pour commencer sur la qualité de l'air, j'ai repris ces chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui compare les différentes causes de mortalité sur l'ensemble du XXe siècle. Nous tirons, souligné en bleu au milieu, concerne la mortalité attribuée à la pollution, encore une fois, sur l'ensemble du siècle. On se rend compte que cette mortalité est très significative, plus de 100 millions morts sur un siècle, qui correspond à peu près en ordre de grandeur à la mortalité de maladies infectieuses telles que la tuberculose ou à d'autres facteurs comme les deux guerres mondiales réunies. Donc, plus de 100 millions de morts sur un siècle, si on prend les chiffres sur les années plus récentes, l'OMS nous dit qu'on a à peu près 3,5 millions de morts tous les ans dans le monde à cause de ce facteur de pollution de l'air extérieur. Sur l'Europe, ça serait à peu près 400 000, et sur la France, 40 000 décès anticipés. Pour mettre en perspective, il faut se souvenir que la mortalité applicable aux accidents de la route est mort de 3 ou 4 000 décès par an. Donc on est en face d'un enjeu sanitaire vraiment très important. Donc pourquoi est-ce qu'on considère ce facteur en lien avec le changement climatique? En fait, il y a deux sources d'interaction qui sont aussi bien sur l'adaptation au changement climatique que sur l'atténuation. Donc l'adaptation, on va prendre en compte le fait que finalement, le changement climatique, le climat, est la somme des événements météorologiques successifs. Et certains de ces événements météorologiques peuvent conduire à la formation d'épisodes de pollution intense. Donc, on va devoir s'adapter au changement climatique si on gère les questions de qualité de l'air. Il y a aussi un facteur qui est sur l'atténuation. Parce que même si je vous dis tout à l'heure que les gaz à effet de serre principaux ne sont pas forcément des polluants, il existe des polluants qui sont aussi des gaz à effet de serre et qui ont ces propriétés de forçage radiatique, donc qui peuvent avoir un impact sur le climat, à penser à l'ozone ou au carbone suivant. À partir du moment où on a noté le fait que cette double rétroaction, on va être préoccupé d'avoir des politiques de gestion qui sont cohérentes et synergiques entre les deux facteurs. On veut être sûr que si on promeut une politique pour l'atténuation du climat, a policy to mitigate the climate changes. Donc, they have to be consistent and efficient on air pollution. And in order to assess their efficacy, we need to use digital models on chemistry, transportation chemistry, and we have to study the chemistry and the physics of the atmosphere based on the weather data. Here we have an example of intense pollution episode in 2009, reproduced with high resolution. We see the source. Et on voit bien towns or industrial areas, and we see here that the phenomenon has reached huge dimensions. The same model is used to predict air quality on a daily basis. We have the prevert.org platform, where predictions are made on the national level, and we can also make long-term integrations of the model, for instance, for a whole century to study the connection between climate and air quality. Now, to perform integrations, we need to use assumptions regarding the future evolution of society. Here, we look at the primary energy consumption in Europe, such as was suggested by the Global Energy Assessment, with different options and scenarios, with different future options. On the one hand, on va avoir consommation énergétique en l'absence de toute politique climatique, on a une augmentation de la consommation et un recours aux énergies fossiles qui reste important. Et de l'autre côté, on a un scénario qui tente d'atténuer le changement climatique et faire en sorte que le réchauffement soit limité à 2 degrés d'ici la fin du siècle. On voit que la consommation énergétique devient plus efficace. Of temperature rise by the end of 2100, and we see the difference between the two scenarios, with the greater use of renewable energies in the right-hand side scenario. We have transportation chemistry here in air quality data. Mapping will show us the quantity of small particles by 2050, and there are two different scenarios: the uncontrolled scenario and the mitigation scenario. Mitigation scenario, which was originally designed only to mitigate climate changes, also has a beneficial impact on air quality. This can be translated in particle concentrations, and there will be a sanitary impact on human health. We can perform a cost-benefit analysis to try and understand if those policies are going to be expensive for society. Now, the cost-benefit analysis first look at the cost of technology. I told you that there are two strategies. Either we do nothing, or
we try to mitigate the climate change, and mitigation obviously has a cost, and the investments that must be made in the energy systems are higher than in the other scenario. We can make savings, for instance, on the policies introduced to improve air quality. And the cost is that of technology to depollute the air. Take an electrically powered vehicle. We use them to decrease the emission of CO2, except that that vehicle does not need a particle filter, and therefore we save on the technology needed to depollute our activities, such as transportation. There will be a first step in the compensation for the cost of mitigation. And the second compensation will be avoided health damage. The maps I showed you earlier can be used in order to calculate the mortality figures for the end of the century. And based on these figures, we understand how much money can be saved by society. Now, in the end, both scenarios reach an equivalent cost, which is very interesting in order to encourage such policies. Originally, the two scenarios were designed to fight against climate changes, but air quality and improved sanitary conditions are a collateral beneficial consequence, which was unexpected, but they can be used as a convincing argument for decision makers so that they implement climate mitigation policies that will have a beneficial impact on air quality. However, it is not so easy to get there. Look at this graph. If we position beneficial or detrimental policies for the climate on the horizontal axis and beneficial detrimental for air quality on the vertical axis, bottom left-hand side, there is no control policy, and we want to reach the top right-hand side quadrant with the better energetic efficacy. Now, the road to get there is not very easy, and we have noticed this several decades ago. We started by promoting strategies such as the use of diesel oil and the use of biomass to heat houses. These were good policies for climate change mitigation, but not for air quality. So we need to use particle filters so that we can drive the cars again and then take a turn towards the right so that we can reach a society with more energetic efficacy. And we know that a more energetic efficacy society is possible, it is profitable, but the pathway to get there is rather difficult, and this is the challenge we're facing with the energy transition.